cette fois-ci en face cam. Bon, je suis pas très rassuré, j'ai déjà fait une fois, donc ça devrait aller, mais bon. Toujours moins évident tout seul. Thank you.
trafic. On sent bien l'investissement du parc. J'ai pas de culture sauf. On ressent vraiment bien l'investissement dans cette maze. Fait très très sombre. On voit pas grand chose, je vous avoue. Je vois rien du tout moi. Mais je continue. Je sais pas où faut y aller. Vous allez voir un peu. Je prends sur des murs. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. J'avance dans une petite fumée. Il y a un rider au fond. Avis à chaud de Mexican Massacre, l'une des deux nouvelles mazes de Bellward en cette saison 2022 d'Halloween. Que dire alors, niveau thématisation, c'est pas mal. Ce qui est le plus impressionnant, c'est au niveau de la peur. Le niveau est bien élevé et c'est clairement la maison hantée qui fait le plus peur du parc et des 5 dernières saisons, et même 10 dernières années hein, de Bellward. Elle est assez longue, il y a quelques acteurs. Au niveau de la diversité des maquillages, des costumes, ça reste assez basique. Mais après, c'est le thème, hein, Mexican Massacre, donc c'est des tueurs, on voit pas forcément trop leur tête. Il y a pas mal de scènes assez sympathiques. J'espère que vous allez le voir dans la vidéo. Vous êtes bloqué dans une cellule, vous attendez, il y a un acteur qui vient vous surprendre. Sinon, vous avez une deuxième scène où vous assistez à clairement une décapitation. Hein. C'est un mannequin qui est en face de vous avec un acteur. Qui vous surprend après. Donc voilà, cette maze Mexican Massacre qui est au prix de 7€, il me semble. C'est un coup, sachant que cette année toutes les mazes sont à ce prix presque. Voilà, ni prix élevé, mais bon, après, c'est le prix hein, des maisons hantées maintenant dans les parcs européens. Donc voilà, gros gros plus pour Mexican Massacre, je suis très content. Une belle évolution hein, pour Bellward et ses mazes. Donc voilà, de très bonnes choses pour l'avenir. Je pense que ces mazes vont rester assez longtemps maintenant dans le parc, hein, comme Mortal Mine et Camping Corpse, sachant qu'il y a eu un gros investissement pour ces deux maisons hantées de 700 000 euros. Donc voilà, gros point fort, bravo à eux. Je vous laisse, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, et puis à nous dire hein, ce que vous en pensez. Si vous avez eu l'occasion de venir à Bellward cette année, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, la zone de commentaires est là. Allez, ciao, c'était Massimo de Costa Actu. À bientôt, bonne nuit, bonne journée et à bientôt.